Bonjour bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Sculptris, nous allons voir le son numéro 2A qui portera sur l'installation de Windows. Et oui, en fin de compte, je vous avais fait l'installation de Sculptris sur Mac, mais je vais m'apercevoir que j'avais jamais réussi à faire l'installation de Sculptris sur Windows. Donc je ferai en sorte d'installer un en fin de compte Sculptris sur un système de type 7 et ça sera sur un système virtualisé de type VirtualBox. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc comme je vous disais, on va faire en sorte de virtualiser, dans mon cas je vais virtualiser un 7, hein, c'est déjà fait, et on va installer Sculptris. Alors, pour installer Sculptris, il suffira d'aller sur un moteur de recherche style Google. Vous tapez ici Sculptris, tout simplement. Vous êtes pris sur le premier lien et on retombe ici. Sculptris, pour ceux qui ne connaissent pas, alors sachant que c'est assez marrant parce que je fais une vidéo, sachant que j'ai déjà fait plus de 15 vidéos, mais quoi qu'il en soit, il faut bien que je vous explique comment l'installer sur Windows. Et je vais vous ai d'autres astuces aussi. Je vais vous expliquer d'autres astuces. Donc, ici, vous avez différentes informations. Vous avez l'overview, vous avez quelques vidéos en anglais qui peuvent vous aider. Vous avez ici les caractéristiques, c'est en l'occurrence, qu'est-ce que vous pouvez, euh, est-ce que votre machine va supporter ou pas, et qu'est-ce qu'elle fait en fin fait, de compte. Il faut savoir que ZBrush, euh, il que Sculptris, pardon, Et je fais un lapsus, c'est une passerelle si vous avez ZBrush. Alors, évidemment, si vous avez ZBrush, vous n'avez pas utilisé Sculptris, que ZBrush est vraiment la roll-roll de la sculpture en 3D. Quoi qu'il en soit, maintenant, ce qui va vous intéresser, c'est de pouvoir faire de la. de le télécharger, tout simplement. Vous cliquez ici sur Free, Download. Et ici, vous cliquez vous voyez, sur Windows. Parce que la dernière fois, j'ai fait sur Mac. Vous cliquez sur. Alors ici, vous, dites, vous êtes d'accord. I agree. Et vous cliquez sur Windows. Ensuite, vous mettez vos informations. First name, last name, l'adresse mail. Vous laissez en anglais. En général, je mets en hobby. Moi, je clique ici au niveau de hobby. Donc là, je ne le remplis pas. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Si vraiment vous avez un problème, regardez la vidéo sur le Mac. Vous verrez, j'explique tout euh, vraiment en détail. Mais là, il euh, n'y a rien d'extraordinaire. Et vous cliquez simplement sur Submit. Là non plus, je ne le fais pas puisque. Euh, bah, puisque j'ai déjà, en fin compte, téléchargé. Vous voyez, si on regarde ici, on a un fichier téléchargement et on a le fichier qui s'appelle sculptrix.executable. Donc on va aller dans le fichier téléchargement. Donc on se trouve ici. On va double-cliquer dessus. Donc c'est celui-ci. On double-clique dessus. Alors Moi, j'ai différentes, différentes applications, mais évidemment, hein, puisque je m'amuse à émuler euh, différentes applications sur... Euh, un 7 qui entre guillemets est un 64 bits. Hein. C'est très important parce que celui que vous avez récupéré c'est un 64 bits. Hein. Sinon si vous avez un, un système 32 bits vous risquez d'avoir des problèmes. Là je clique sur oui. Une nouvelle fenêtre va apparaître vous disant bah, il faut attendre quelques minutes hein, ou quelques secondes dans mon cas. Là il vous dit le guide d'installation va vous installer Sculptris avec différentes informations. On clique sur next. On accepte bah, l'agreement. Hein. Enfin, c'est tout simplement les conditions d'installation. Cliquez sur next. Ici bah, vous laissez par défaut, c'est-à-dire qu'il ira dans Pixologique Sculptris, cliquez sur Next. Ensuite il dit que l'opération va prendre plusieurs minutes, cliquez sur Next. Donc là ça met un peu de temps, le temps que ça s'installe. Ici bah, vous laissez cocher comme ça vous aurez une documentation en anglais qui est assez intéressante et ça va lancer directement Sculptris. On clique sur Finish. Et voilà, mon Sculptris est installé. Donc vous pouvez maintenant installer un Sculptris en l'occurrence sur un 7. Sur Windows 10 je ne sais pas. Mais sur 7, c'est sûr ça fonctionne faut Savoir qu'il y a quelques temps de ça, il euh, y avait ça ne marchait plus. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu pas mal de retours comme quoi l'installation de Sculptris sur Windows ne marchait pas. Là, j'ai fait en sorte justement de l'essayer de l'installer afin de vous prouver que celui-ci fonctionne au moins sur 7. Dernière chose, si on regarde au niveau du disque dur, donc C, moi dans mon cas, hein, je vais dans Programme, je crois. Ensuite, euh, non, c'était pas dans Programme, c'était dans Programme File. Ici, je vais dans Pixologique, Sculptrice Alpha 6. Et ici vous avez différentes informations. En fin de compte, il faut savoir que euh, pour ceux qui ont une machine qui risquerait de ramer ou vraiment aurait une petite machine, une petite configuration, vous risquez d'avoir un problème lorsque vous rentrerez en mode Paint. Il faut savoir en fin de compte que la vidéo que je vous fais, j'ai déjà fait 15 vidéos euh, où on a fait tout ce qu'il faut sur la sculpture. Euh, là je vous montre un petit personnage qu'on va faire pour la prochaine vidéo pour le texturer. Et justement au niveau de texture, ici vous avez un fichier config, donc si je double-clique ici dessus. Vous avez différentes informations qui vont apparaître, mais ce qui est très important, c'est Enable Shader. Si par hasard, celui-ci est à 1 et que vous avez des gros problèmes au niveau du module Paint, c'est ici qu'il faudra mettre 0. Par contre, vous allez vous rencontrer des problèmes dans le sens où vous perdez des fonctions. Mais vous pouvez quand même faire des choses avec. Voilà, je voulais vraiment vous signaler ça, ça me paraissait important. Donc si maintenant je reviens sur Sculptris, bon, rien d'extraordinaire, je ne dirai pas plus euh, au niveau du sculpt, puisque tout se fera sur Mac. Comme je vous dis, j'ai déjà créé 15 vidéos, mais je voulais au moins faire cette vidéo. Voilà. Donc, j'en ai pas plus cette vidéo. C'est donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Comme je vous disais, en fin fait, de compte, cette vidéo, c'était vraiment un ajout qui me paraissait important pour ceux qui veulent, pour vous, amis Windowsiens, qui veulent installer Sculptrice sur votre système. Là, je vous montre la petite mascotte qu'on s'amusera à faire. Où on a révisé déjà à la leçon numéro 15. Et la leçon numéro 16, qui portera sur le module Paint. On s'amusera vraiment à colorier notre personnage. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.